salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 4. On enchaîne directement avec le boss et on va essayer de le soulever dans les règles de l'art. Ah, you just missed her. The ritual is over. She left with my men to an island. What? I think it's time I paid my due respects towards your impressive and stubborn will. Mr. Kennedy, welcome. Guess after this, there'll be one less to worry about. Pouah ! Ok, on fait les shows, mais mine de rien. Je sais pas trop comment ça va se passer, j'ai pas envie d'utiliser mon rocket, je t'avoue. Donc, on va essayer de l'arracher. Pouah ! Je suis déjà mort. C'est pour doser. Ok. Bon. J'avais besoin de doser le terrain, voir un petit peu de quoi il était capable. J'ai eu mon aperçu, donc on va commencer direct au snipe. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Ferme là. Ok. Pas vrai! Ok, il me reste 5 balles, c'est chaud. Ça fait mal, hein? Ok! Bon, bah là, là, j'ai plus votre pelle. Comment ça va se passer dans le game? Ça me fait chier d'utiliser le lance-roquette. Alors, si c'est aussi facile, c'est normal. C'est que c'est un boss en deux temps. Hein. Ou alors il y a un problème. Là, je commence à me poser la question, tu vois, frère, je suis pas bien. Hop ! Eh, c'est rien, ma gueule. Du premier coup, ce coup infernal, ce coup du démon. Oh là 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 là, j'aurais dû le voir arriver, ce coup terrible. Ok, on est reparti. Pas vrai. Hop, eh, c'est quoi ça? Non! Inesquivable! C'est pas esquivable ça, si? Attendez. Faut que j'essaye un truc, j'ai pas compris.
J'ai pas compris, pour moi, c'est pas... C'est pas charléisé, hein. C'est pas charléisé, tout ça. Ah, d'accord, ok. Yo. Yo. Ok. Bon, on va voir. On va voir comment on va doser le truc là. Voilà. On va voir comment on va doser le truc parce qu'il veut faire le show. Je commence à comprendre ton petit jeu, jeune homme. Ça y est! Mais c'est pas fini! Ce n'est pas fini! Quoi? Quoi? Mais c'est pas fini! Mais c'est trop facile! J'ai même pas eu besoin de descendre. C'est quoi? J'ai galéré pour ça. Je suis mort 3 fois pour ça. Sérieusement, les mecs. Bah putain. Si j'avais su, comme on dit. C'est quoi ces conneries? Mais alors là, sans faire le ricain, j'étais quasi sûr qu'il y avait une autre transformation. C'est n'importe quoi. C'est trop facile, là. C'est un truc de ouf. Je suis choqué, les mecs. J'ai même pas pris les caisses, j'ai même pas... Oh là, il y avait des soins et tout. Oh, je suis tellement choqué. Ah, il m'a pas fait mon coup ancestral. Il suffisait de rester au milieu. Tu te mets près du bord si jamais il va te faire le coup pour te bouffer. Et puis, t'arraches, c'est tout. Oh là là. Oh, je suis choqué, les mecs. Bon, par contre, j'ai loupé un trésor juste derrière, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, les gars. Mais bon, bah, il me reste mon lance-roquette. Impeccable. Impeccable. Il y a plus qu'à fouiller. Oh la vache! Ah c'est dur! C'est dur parce que je pensais pas... Je pensais pas à ça en fait. C'est la déception. Je pensais pas que ça serait limite si facile. J'ai galéré et dire que... En fait, il y avait juste son célèbre coup australien, on l'appelle bien évidemment, à esquiver, mais en dehors de ça, y'a rien, y'a rien. Le néant ma gueule. Ok. Par contre, il y a un problème. À moins que je puisse me barrer. Il y a un trésor ici. Il y a un trésor ici, mais alors où, mon pote? Lève-toi. Lève-toi tôt le matin. On va essayer de le chercher quand même, mais bon... Peut-être en dessous, non? Il y a un trésor exactement par ici. Quoi ces conneries? Bougez pas, on va essayer de le trouver, les gars. On va essayer de le trouver. Il est là et sur la droite. Ok. 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 Ok, 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 ok. Bon. Là, je vous avoue que je vois pas trop. Je vois pas trop où est le trésor. Soit on s'est foutu de ma gueule. Ne joue pas. Les gars, j'en ai rien à foutre. Là, clairement, je pense être à un stade où ce trésor-là, j'en ai totalement rien à foutre. Je sais pas où il est, je vais pas le chier. Il était peut-être à l'extérieur, Omar, je sais pas. Je sais pas trop. Caisse, on peut rien faire dedans. Caisse, il n'y en a pas. Allez, on continue. Ah la vache, je suis tellement outré. Je sais pas, je suis un peu déçu. Je m'attendais, pour moi, Salazar, je le craignais, quoi. J'avais souvenir qu'il était pas évident. Alors, il avait un coup qui one-shot. Oh, salopard. Il avait un coup qui one-shot quand même, mais bon, c'est vrai que je m'attendais pas à le tuer aussi rapidement et j'étais quasi sûr qu'il avait une évolution. Mais non, mais non, mais non, mais non. En fait, le sniper suivait.
Le sniper suffit à tout découper. Ok, c'est parti. Vas-y, ma petite gueule, emmène-moi au paradis. Bon, là, vous l'aurez compris, il faut que je prenne le bateau pour aller sur l'île et on atteindra donc le dernier gros chapitre du jeu. Ah! Là, il est censé te rassasier, mais je suis tellement bien que... Yo, frérot. Regardez. Regardez. Miskin, j'ai tellement... J'ai tellement trop de trucs que... Ok. Alors, on va faire un petit peu le ménage, quand même. Vous l'aurez compris. Sinon, c'est pas ouf. Ah, j'ai trop de balles de... Oh là là, mais j'ai trop de balles de tout, maintenant. C'est terrible. Bon. Bonne chose de faite. On est reparti avec un inventaire plein, les mecs. Quoi? Putain, sérieux? Ok. On est parti avec un inventaire blindé. Voilà. Ah oui, mais c'était pas... J'ai encore le magnum. En fait, réellement... Je veux pas faire le ricain, mais... Le jeu est gagné d'avance, entre guillemets. Oh, mais, ouais, non, mais là, les gars... je peux rien faire, attends. Le mec, il veut que je vomisse de... Je vais vomir, si vous voulez. Tiens, je vais te vendre des grenades. Voilà, grenade aveuglante. C'est pas grave, ça me fait 1000 pesetas. Voilà. Donc, frérot, on en était... Où on en était optimisé. Rennes 9, exclusif. Bon bah voilà, j'ai l'arme exclusive. Donc en fait quand vous avez amélioré une arme entièrement, vous avez le mode exclusif de l'arme. Et donc regardez ma puissance de feu, 6.5. Je peux pas faire mieux, j'ai beau chercher, je ne peux pas faire mieux. Striker, ouais, TM, ouais, on va essayer de vendre des trucs. On va essayer de vendre des trucs, qu'est-ce qu'on peut vendre? Spinel, pas mal. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Ceci, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ouais, tout va partir trop vite. Tout va partir trop vite, les gars. C'est parti, que améliorer? Que quoi améliorer? Striker, peut-être, puissance de feu, non? TMP, c'est vrai qu'il n'y a que la contenance, on peut le garder encore. Is that all strike? Thank you. Is that all? Is that all? J'améliore sans trop de conviction. Hein. C'est tellement. Comment vous dire? Ah si, TMP! Oh putain, merde! Je peux l'améliorer! Ah, mais là, c'est cuit là. What là, les gars, je crois que c'est comme les Panzani. Ouais, 35 000. À moins que j'arrive à me faire du 1000. What are you selling? Il me faut du 10 000. Ce qui sera pas possible. Ce qui ne sera pas possible. Ok. Bon, on a bien amélioré nos petites choses. Direction l'île. La vidéo sera courte, celle-ci, je pense. Ce petit épisode 18. Mais bon. On va prendre le bateau. Voilà, là, j'ai un pistolet, les amis. Mamma mia. Need a ride, handsome? Okay. Oula, il est pas trop en confiance. Bon bah on est mort 3 fois, ça fait un total de 12. Mais ça va, hein, 3 morts, j'ai voulu tester, je suis mort forcément toujours de la même façon les 3 fois, quand il a ouvert sa gueule et qu'il m'a absorbé, cet enfoiré. Mais j'ai compris en fait, si tu visais 2 fois dans l'œil, il était en bas, ensuite tu visais sur lui, tu lui mettais que des critiques et on était bon. Got some business to take care of. See you later. Women. I
hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. Bon les amis, on est parti pour la troisième et dernière partie de notre aventure sur Resident Evil 4. Nous en sommes à l'épisode 18, il nous reste donc bien 7-8 épisodes encore devant nous. Et voilà, je répartitionne le jeu en 3 chapitres. Le premier dans le village, le deuxième dans l'église, enfin le monastère, enfin appelez-le comme vous voulez, on s'en bat totalement les couilles. Et le troisième donc sur cette île avec encore une fois de tout nouveaux méchants. Et là, ça va être putain de cool et putain de relou. Mais c'est dans ce chapitre qu'il y a mes scènes favorites de Resident Evil 4. C'est réellement le feu. Je peux aller à droite ou à gauche? C'est quoi ces conneries là? Alors attendez, parce que là on n'a pas de carte normalement. Ouais, enfin on n'a pas de carte qui dit les trésors. Je peux aller tout droit, je pense qu'il y a un trésor tout droit, étant donné que c'est un cul de sac. Un cul tout court, voilà, c'est un cul. Tu vas au bout du chemin, y a, là, il y a une paire de fesses. Ah, c'est bon, on a deux petites caisses, c'est plutôt cool. Donc, voilà, on y est enfin, les gars, ce troisième chapitre. Là, ça va être de la pure action. De l'action pure, je dirais même en français. Ça va être totalement dingue. On peut passer par là, mais pas du tout. On croit qu'on peut passer par là, mais pas du tout. Bon, Ada nous a totalement abandonné, elle est partie faire ses petits bails. Vous allez très vite comprendre quels sont les petits bails d'Ada et pour qui elle travaille. Enfin, quoi? C'est pas vraiment pour qui elle travaille. Crie pas comme ça, je l'ai. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Ouais. Ah bah oui, c'est vrai que lui taper dans le dos, il va vite le lâcher. Allez, on est parti les potes. J'ai un pistolet surdopé maintenant. 6 de dégâts, une balle. Je peux vous dire, les potes, que ça va chicoter. Donc, on a les nouveaux ennemis aussi. Regardez comme ils sont beaux. Regardez, ils sont pas magnifiques. Ils sont pas magnifiques un peu, là, les gars. Regardez-les. Hop. Par contre, les critiques... Maman... Oh, quoi? Hop. Et tu tombes. Alors, normalement, 2 balles suffit à les tuer, voire 3. Mais là, petite précaution... je préfère les faire tomber, histoire de pas perdre trop de temps. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Ah! Je l'avais oublié! Bah alors, ma gueule! John Rambo, quoi? Ok, bah je pense qu'on va y aller au sniper. Il me reste des balles. Oui, il me reste des balles. D'accord, ferme là. Ah, très bien. Oh oh. Attendez. Allez, ferme-la. Ferme-la, je te fais tomber ton béret de marque de type H&M. Allez, dégage. Par contre, faut mourir, frère. J'ai peur. J'ai peur quand il démarre sa petite sulfate comme ça, là, de type aromatisé. Allez, il est cuit. Il est cuit comme les panzani, mon ami. On peut continuer. Faut surtout pas que je recharge le TMP. Parce que je peux l'améliorer. 15 000, c'est pas mal ça. C'est pas mal, messieurs dames, quoi. Yo. Oh putain, 2 balles. 2 balles donc dans le pied, c'est quand même le petit feu, les potes. Ok. Quoi? Attendez. J'entends encore du monde. 1 balle. 2 balles. C'est pas magnifique. Il est pas magnifique ce pistolet. Alors, au final, ça va rendre le jeu beaucoup plus simple, mais c'est vrai que d'autres pistolets avaient des fonctionnalités sympas. Le Black Tail, par exemple, permettait de traverser jusqu'à 5 ennemis. Donc, imaginez. Par contre, c'est 5 ennemis avec 3 maximum de damage, 3 ou 4. Un petit peu relou, parce que c'est bien beau. Attendez, parce que là, au final, je rigole. Mais c'est vrai que ça se complète très vite. Je commence à récupérer masse grenade, masse soin, c'est bon ça. On va fouiller vite fait ici, on va essayer de se débarrasser de tous les ennemis, les potes. J'entends des matraques électriques là, non? Ah. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. 2 balles, c'est le rêve, les gars. Oh ouais, c'est vraiment... Oh, ça fait bander.
Alors attendez, parce que j'ai cru entendre quelqu'un derrière moi. Et ça, ça me fait extrêmement peur. Et je confirme qu'il y avait du monde derrière moi. Quoi ? Ah mais là c'est chiant. Là c'est chiant, vous êtes très nombreux. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, bon, on va y aller aux pompes, c'est pas grave. Alors je suis désolé de pas beaucoup parler, mais vous savez quand il y a besoin de concentration ? Il y en a besoin. Quoi ? Mais c'est pas vrai ! Ils sont encore nombreux là. Hein ? Ok, bonne chose de faite. C'est bon ? Parce que j'entends quand même. J'entends du monde un petit peu partout là. Qu'est-ce qui se passe les mecs ? J'entends du monde. On va essayer de résoudre cette petite énigme de type aromatique. Qu'est-ce que c'est encore ? Vous êtes là les gars ? Ok. Oh mais c'est pas vrai, les gars! C'est lourd. Putain, heureusement que c'est deux balles pour tuer quelqu'un maintenant. Ça, c'est un vrai plaisir. Ce pistolet Squeezie, 6.5 de dégâts. Mamma mia. 3 balles au grand maximum. Ça, c'est plutôt cool. Allez, bonne chose de faite, les amis. On va pouvoir commencer à fouiller. Quoique j'entends encore la musique, je suis pas sûr. Encore de la musique, là. Les gars, il y a encore quelqu'un. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est ? Oh, yes ! Yes, bébé ! Pourtant, j'ai tué personne ici. C'est qu'elle devait rester là. Très bien. Ok, on peut monter. On va... Attends, déjà, je pense que vu qu'il y a un miroir, il va y avoir une petite énigme. Peut-être à pied. Yes, ça fonctionne. Putain, le laser rigole. Zéro. Les gars, le laser, il fait l'épaisseur de ma bite. On n'est pas bien. Ok, donc vous l'aurez compris, il faut faire refléter le laser. Oh ouais, c'est une nouvelle sécurité hein, dans les cuisines et tout. On apprécie. Bon. Je sais pas à quel moment te vient l'idée de faire une sécurité à base de laser énorme. Et en plus, pour que ça reflète de l'autre côté de la porte, c'est totalement ridicule. Voilà, c'est parti. Hop, les gars, par où on peut sauter ? On peut sauter par ici, parfait ça. On va essayer de ramasser tout ce qu'on a à ramasser. Je crois qu'en haut, il y a quelque chose. Il y avait une échelle que je n'ai pas, j'ai pas pris. Non, pas du tout. Bien joué, Mr. B-Boy, tu auras compris de la merde, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et c'est pas du tout par ici. Par où c'est ? Ok. On va monter par là. Ok, bon, on va le remettre en place. Moi, j'ai rien dit, il n'y a rien dehors. Il n'y a pas de secret, enfin, il n'y a pas de... Je suppose qu'il y a un trésor ici. Je pense pas... C'est bon ? Ok, c'est bon. Je pense pas que je vais réussir à le trouver. Parce que je vois pas où il peut être. On peut... Attendez, j'essaye de voir si on peut monter là. Il y a une porte là, ça m'intrigue, c'est chiant. Mais on peut pas. Il n'y a aucun moyen de monter. Ah si, il y a une échelle. Ah non, elle est cassée. Ok, aucun moyen de monter. Et vu qu'Ashley s'est fait kidnapper, bon bah écoutez, je peux pas l'envoyer. Donc on a fait tout le tour. Je pense qu'on a fait tout le tour. C'est parti les potes. On va essayer d'aller jusqu'au prochain point de sauvegarde. En espérant que tout se passe bien. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Attendez, vous me faites très peur. Pourquoi il y a une vue qui monte d'un coup là les gars ? Ok. Un petit trip des années 80, on apprécie. Ok. Ah, ça c'est pas important. Yes. Oh putain, niveau herbe verte, un peu trop. Un peu trop à mon goût. Y'a quelqu'un là-dedans ? Non. Il n'y a vraiment personne. Ok, 3 balles. Alors qu'ils ont un gilet pare-balles. Hein. Donc c'est des militaires qu'on va affronter. Calme-toi, hein. Attention, souplesse ! Bam ! Et ça part très vite. Les villageois sont toujours invulnérables au supplé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce que ça a été expliqué pourquoi les Guanados, il me semble qu'ils s'appellent comme ça les villageois, pourquoi ils ne sont pas atteints par le souplex ? Ça m'intrigue. Ah bah c'était là ! Yo les gars ! Pourquoi ils sont pas ? Pourquoi on ne peut pas les supplexer ? Vous voyez ce que je veux dire ? Très bizarre, c'est très étrange ma foi. Je sais pas pourquoi. Inexplicable. Yo frère. Ouais. Bon, c'est trois balles dans le corps. 3 balles dans le corps, 2 dans la tête, je suppose. Avec un chance de coup critique assez élevé. Pourquoi je vois personne ? Peut-être parce que je viens de là, en fait. Je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviens. Vas-y, tu peux y aller, frère. Ok. Yo.
Bonjour. Crie pas comme ça. Quoi? Quoi? Cours pas comme ça, sale fou! Prétentieux, va! Ok, pour l'instant on est pas mal, hein, les gars! Pour l'instant on est plutôt pas mal. Y'a plus personne? Yo, éclairez-moi de votre lumière, les gars. Attends, faut passer par dehors. What? Ok, j'entends de l'arbalète. On va sniper. Ok, pas mal. Yo. Wouh! C'est un lance-roquette! Mais t'es fou! Ok. Putain, gros, lance-roquette, il rigole zéro, le bordel! Ok, c'est bon, il peut se casser. Calmement, yo. Ah, si je peux ne pas passer à côté de balle de... Qu'est-ce que c'est? Attendez. Y'a pas un trésor là-dedans, là? Yes, papa! C'est beau, ça! Le petit trésor trouvé sur la map. Oh! Un chat! On peut lui mettre quelque chose! On peut lui mettre des yeux! Des yeux et quelque chose au-dessus des yeux. C'est incroyable! C'est incroyable, les amis! Qu'est-ce que c'est? Là, y'a rien. Ok, on continue, les mecs. De toute façon, tous rejoints, je suppose. Ah, d'accord. Ok. C'est très chiant. C'est très chiant d'avoir autant d'herbes combinées. Et de pas trop savoir comment gérer le truc là. Il me reste une place, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf les mecs. Hein. Ok, on peut sortir. On peut sortir, ça c'est plutôt cool. Mais où je suis là? Qu'est-ce que c'est que ça? Un émeraude? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Là il y a une échelle. C'est quoi ce bon? J'arrive à me perdre là-dedans, sérieusement? Là il y a un tableau. Ok. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? Allez, dégage. T'es là, tu me racontes ta vie avec tes petits bâtons de dynamite. Eh ben, j'ai pas joué un petit peu plus loin, frère. Ok, ça c'est bon. Ça c'est fait. Ça court et j'ai peur. Ça court. Oh putain. 4-5 balles. Les prisonniers rigolent zéro par contre. Ok. Ok, j'ai plus de balles, ça c'est relou. On va y aller au peupon. Ouais, calme-toi par contre. On va y aller au peupon calmement. Lui, il a de la dynamite sur lui, je sais pas où. Voilà, hop, on récupère ça. Quoi? Quand même. Ok, calme-toi par contre. Genre vraiment. Bon, ouais, vous êtes encore combien là les gars? C'était une petite blague là que vous me faites? Ça marche comment? Ouais, les gars. Ah très bien, ça c'est chiant ça. Vous voulez pas faire comme les autres? Les prisonniers sont... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de probabilité... Oh la vache. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de probabilité assez élevée pour que les... Oh, bâtard. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une probabilité assez élevée pour que les prisonniers... se transforment et poussent des ailes. Ça va les gars, tranquille là ou pas? Parce que je vais rester au snipe vite fait. Il n'y a plus de musique. Peut-être une... Quoi? Il y a encore un mec, c'est pas possible. Vous foutez de ma gueule les gars. Ok, on prend. Je sais pas du tout où il est. J'ai entendu un mec tomber. Et moi on me la fait pas. Homme qui tombe égale homme tombé. Homme qui a mal, probablement. Ok, c'était impressionnant. Mais ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh oh, qu'est-ce que je fous là? Ok.
très impressionnant. Très bien, le coup du chariot. J'aurais peut-être dû passer par là dès le début, hein. Ça m'aurait aidé, je pense. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien mettre des petits challenges. J'aime bien un petit peu les petites histoires effrayantes. Ok, j'ai récupéré le chat. Plutôt une bonne nouvelle. Tiens, un interrupteur appuyé dessus. Oh non. Non, fin du jeu, on s'en va. On s'en va, c'est terminé, les mecs. C'est quand, là, la prochaine sauvegarde? Parce que j'ai l'impression que vous prenez mes couilles pour des... des potagers, là. Oh, salut. Welcome. Allez, dis-moi tout, frère. J'aimerais bien sauvegarder. Et on va s'arrêter là. J'ai des objets rares, c'est vrai. Carte au trésor, c'est incroyable. Je prends les amis. Killer 7, voilà le magnum. 25 de puissance de feu dès le premier. Mais le mien en version exclusive fera... Donc le Killer 7 à la fin fait 35 de dégâts. Mon magnum à la fin en version exclusive fera, me semble-t-il, 50. Donc c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Il est mieux bien évidemment. Broken Butterfly. On est toujours dans une bonne optique. Puissance de feu. Ouais, ça on peut le changer aussi. Je peux quasi tout. Changer parce que les gars. Alors, augmente la puissance de l'arme à feu au-delà des limites. Il faut 100 000. C'est quand même relou, n'est-ce pas? Donc, je pense quand même voter pour essayer de trouver 100 000 boules. Ce qui sera très très chaud à trouver. Ce qui sera très très chaud. J'ai un œil vert, un œil rouge. C'est peut-être ça qu'on met dans le chat, non? Lynx doré. Oh, ouais. J'ai plus de thunes. Bravo, vous m'avez fait tout m'élever. Et j'ai plus d'argent. Je suis... Oh, mais les gars, vous êtes relous. Ça, c'est chiant. C'est chiant d'autant plus qu'il n'y a pas de point de sauvegarde, là. C'est pas... Mais si, il y a une sauvegarde, c'est quoi ça? Je l'ai foiré. Okay, on va s'occuper d'eux. Allez. Allez, ça dégage. Ah ouais. Hop, ça dégage. Ok. Est-ce que vous me donnez des petites munitions, les potes? Pas du tout, c'est un plaisir. Bon, bah écoutez, on va sauvegarder et puis on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je ne sais pas pourquoi... Ah, elle était là, la petite machine à écrire, alors, saloperie. Je sais pas... Je sais plus ce que je voulais dire. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et je vous fais des bisous. A bientôt tout le monde, ciao.